Pascal Santoni, membre de l'Union confédérale des retraités de la CGT et journaliste à Vie Nouvelle. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie du journal Vie Nouvelle. Pourriez-vous nous dire en quelques mots quel est ce journal et quels sont ses objectifs ? Vie Nouvelle est donc le magazine réalisé par l'Union confédérale des retraités CGT. Mais il s'adresse à l'ensemble des retraités. C'est un véritable magazine, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une partie qui recoupe les préoccupations des retraités, leurs revendications, leurs attentes, qui décrit un peu leur situation, et aussi une dimension culturelle, artistique même. Nous invitons des artistes, culturels au sens où nous explorons l'activité culturelle du pays, aussi bien dans le domaine théâtral, cinématographique et surtout une forte rubrique dédiée aux livres. Comment se passe l'accueil de la part des seniors qui sont ici ? Eh bien, l'accueil, à notre grand étonnement, ça fait 3 fois que nous y sommes, 3 années consécutives. Nous attendions pas un très bon accueil. En réalité, l'accueil est très sympathique. D'abord parce que souvent, d'où l'intérêt de notre présence, les gens découvrent qu'il existe une organisation au sein de la CGT qui s'occupe spécifiquement des retraités. Ça, c'était important. Et deuxièmement, ils découvrent aussi ce magazine Vie Nouvelle qui les intéresse. Généralement, ils le trouvent très agréable et très intéressant. Ça, c'est notre numéro 198 qui revient sur le congrès des retraités CGT qui a eu lieu à Bordeaux il y a 2 mois. Mais je veux aussi vous présenter la une du futur numéro qui, comme vous le voyez, est un dessin, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, qui est un dessin qui ironise sur l'arrivée de ce nouveau président de la République qui a bien l'intention de mettre en œuvre son programme, et en particulier pour les retraités. Là, le dessin le figure en train de marcher sur les retraités. Eh bien, nous ne nous laisserons pas marcher ni sur les pieds ni sur la tête. Monsieur Santoni, merci. Bonne continuation à vous et au magazine Vie Nouvelle.